François. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous allez nous proposer? La dernière fois, ils ont chanté des chansons paillardes, mais avec classe et élégance. Voilà. On a hâte de voir ça. C'est parti. Même de l'entendre. Depuis l'aube de l'adolescence, quand naquirent les premiers émois qui firent chavirer mon enfance, déjà tu étais là. Pourquoi devrais-je faire silence? Pourquoi garder le secret? Nier jusqu'à ton existence, toi que l'on ne nomme jamais. Alors que des bas solitaires, en aventures à quatre mains, tu me fis franchir des frontières, me fis aller toujours plus loin. J'explorais chaque latitude de mon intime géographie. Puis un jour, avec gratitude, je te revenais à Langui. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posé tel une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse. On adore. Posé tel une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse. Moi, je dirais que les harmonies étaient parfaitement réussies. C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, je rejoins Tal. Harmoniquement, c'était très joli. Je finirai cette phrase un autre jour. Ah ben moi, j'ai bien aimé la chanson. J'ai bien aimé Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment. T'as toujours aimé ça, toi. J'aime bien les chansons. Et toi, coquine. C'est génial, vous êtes indéfinissable. J'essaie de trouver des comparaisons de vous construire. C'est comme une espèce de chien avec une tête de pingouin. Ou je sais pas, ça devrait pas exister. On nous le dit mais souvent. En fait, on nous le dit très c'est souvent. Génial. Vous êtes inutile, mais parce que vous êtes inutile, vous êtes essentiel. Cela étant, vous n'avez pas touché mon point G ce soir. Et heureusement. Son point Gilbert. Le point. Oh, joli. Merci d'être vous là. Vous retrouve tout rendez-vous à l'heure. Au verdict dans quelques minutes.